Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Rome de Total War. Alors ici je vais donc attaquer Athènes bientôt. Même maintenant, ouais, je vais l'attaquer maintenant. Donc on commence fort avec l'attaque d'une ville. Donc là j'ai des échelles. Avec les échelles je vais donc prendre les murs. Je vais les prendre avec quelle unité? Ça c'est une bonne question, je ne sais pas. Mais une fois que j'aurai pris les murs, ça va être assez facile. Je vais donc envoyer sûrement des astatis. Dégommer donc les frondeurs qui seront sur les murs. Pour pouvoir aller sur le mur, prendre le point pour la porte et faire rentrer tout le monde. Je vais sûrement aussi mettre quelques lanciers sur les murs. Commencer le déploiement. Donc, alors là ça commence fort. Eh ben je vais garder un déploiement plus ou moins comme ça. Donc ça devrait aller. Alors on commence par regarder. Ok, ils ont leurs petits renforts qui viennent de la mer. Ici, bon bah c'est pas des astatis, mais c'est quand même pas mal, ça va. Et donc des deux côtés de la muraille, ça va être pris. Ici, je peux pas les mettre parce qu'il y a des putains de bâtiments qui pourrent le chemin. Donc, eux, ils vont plutôt aller par là-bas. Ils peuvent pas? Non, me dis pas qu'ils peuvent pas aller sur le mur. Ils peuvent pas aller sur le mur, d'accord. Bon, bah alors, vous allez bien sagement retirer votre truc. Et vous aussi. Donc, ici, ces deux-là, ils vont se mettre en position là derrière. Eux, ils vont mettre des flèches de feu. Eux, ils vont gentiment se mettre là. Et tout ceci, bah, ils vont rester ici. C'est très bien. Bien, on peut y aller donc. Les renforts ennemis sont en approche. Sans blague, ils sont où? J'espère juste qu'ils vont pas arriver juste derrière moi, ça serait vachement con quand même. Et là. Nous allons et ceci alors. Cet endroit. Et eux, ils avancent pas? Ils peuvent pas. Non, c'est pas sérieux là. Il y en a qu'une seule qui peut y aller d'un coup. Infanterie! Ah. Bon bah tant pis. À votre service. Infanterie. Victoire. Ah bah il me semblait bien qu'il pouvait y aller lui aussi. Allez, va plus vite. Donc ils ont mis tous leurs archers sur les murs, comme je l'avais prévu. C'est normal en même temps. Oula, ça crame. Ils ont des dégâts dus au feu, il y a leurs échelles qui crament. C'est mauvais ça, très mauvais. Ouais bon d'accord, ils ont perdu les échelles, donc allez me poutrer leur porte. Essayez de grouiller un peu là-haut. Donc derrière, qu'est-ce qu'ils ont? Des hoplites légères. Eux, ils vont se faire massacrer avec quelque chose de dingue. Grouillez-vous, hein, monsieur. J'aurais dû envoyer les deux à la fois, ça aurait eu plus d'effet. Parce que là, il y a quand même les flèches de feu qui m'énervent un peu. Mais en même temps, je crois pas... Ils ont... Ça marche par vague, j'ai l'impression. Dégâts dus au feu, 45%, 50%. C'est mauvais, mais très très mauvais. Dégâts dus au feu, vraiment pas beaucoup là.
voyez-vous. Envoyez-moi plus de trucs. Ah bah là c'est déjà mieux. En fait ces trucs-là n'ont servi strictement à rien. Gardez la vitesse. Je vais prendre les portes à l'ancienne. Hein. Ouais, je vais perdre les deux unités ici, mais bon, c'est pas grave. J'aurais eu la porte. Donc, qu'est-ce que nous avons qui vient à leur renfort? Nous avons donc ici une flotte. Évidemment de des frondeurs. Ça va pas vraiment les aider. Infanterie. Je vais quand même voir si je peux pas plutôt mettre ceci. Écrouillez-vous si vous voulez pas. C'est pas que ça à foutre hein, quand même. Et ils ont quelques petites troupes qui m'attendent derrière. Bien, une fois que ça sera fait, vous courez vers les troupes arrière, hein, parce que sinon ça va pas aller. Allez, balancez votre truc vite. Bon, là ils ont le truc. C'est nickel. Voyons voir. Vous pouvez vraiment pas aller là. C'était vraiment un truc génial. Ça aurait été nickel quoi. Mars, viens-nous en aide. On te donne. Et je vais perdre parce qu'ils sont tournés. Et après je vais tout mettre dedans. Quoi. Je vais tout mettre lancier comme ça. Ici. Les portes de l'ennemi ont été détruites. Nickel. Allez, grouillez-vous. Chiens de guerre. Les chiens, ils vont essayer de poutrer ceux qui sont derrière la porte, là. Le général, j'ai pas envie de dire, mais là, t'es un peu isolé. Hein. Si quelqu'un attaque par l'arrière, t'es mort. Chiens de guerre. Bien. C'est nickel, c'est excellent. C'est excellent. Infanterie. Rechargez. Si on voyait les chiens, ça c'est très bien. Après moi. C'est parti. Mettez-les en pièces. Oh, leur général est dans la bataille. Leur position.
Et moi, en attendant, je vais prendre le rail au-dessus. Tuez-moi les généraux. Les hommes sont hésitants. Ah, c'est logique, hein. T'as vu combien ils sont? En même temps, toi, t'étais déjà endommagé à la base. Plus que 20 chiens de guerre, voilà, 19. On va avoir légèrement mal les chiens de guerre. Général est hors d'atteinte pour l'instant. Les hommes sont hésitants. À votre commandement. Ouais, ça c'est nickel. Avancez. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte. À vos ordres. Eux, ça va pas tarder. Bien, très bien. Les hommes sont hésitants. Bien. Très bien. Une unité entière a péri. Une unité entière, comment ça une unité entière? Ils font quand même vachement mal. Hein. Je me demande c'est quelle unité qui a entièrement péri. Leurs frondeurs se font légèrement poutrer. Allez, faites-moi quelque chose, oh merde. En avant ! Attaquez leur position ! Bien. Fini de rigoler. J'arrive. Et vitesse ! Bien. Rentrez-moi dans l'art. Pour la gloire. Infanterie de mêlée. Maintenez. Avancez.
Dégommez-moi tout ça. Et oh. Gardez la vitesse. Au bas de course. Où vous restez là? Prêt pour vos armes. Allez, on dégomme tout moi ça. Plus vite, plus vite, plus vite. Les hommes sont hésitants. C'est logique, hein, en même temps, t'as vu ce qui se passe. Oh, en plus, ils se font vachement mal. Reculez, reculez. Vendeur. Chien de guerre. Bravo, Romain, sans exception. Rosa, avancez. Je vais enfin pouvoir dégommer leurs généraux. Ils ont encore des troupes qui arrivent. Marre pour la gloire. Et chargé. Ouais, c'est ça, rentre bien dans mes troupes. Moi, je te resserre le filet. Allez, c'est nickel. La bataille tourne en notre faveur. C'est nickel parce qu'une fois que j'aurai pris les portes, ils vont leur tirer dessus. C'est super. Leur généraux m'en aura quand même bien fait baver, hein, l'air de rien. Ah, leur troupe. Nous avons capturé les portes. C'est magnifique. Et on a terminé le combat victorieusement. Donc malgré un indice de victoire défavorable, on a quand même gagné. Et on a tué beaucoup plus de personnes que ce qu'on a eu de pertes. Donc ça, c'est nickel. Trois fois plus de personnes tuées pour... enfin, voilà. Et c'en est presque fini des Athéniens. Et voilà comment on poutre des ennemis. Alors, je vais plutôt mettre autorité. Et j'espère qu'il y en a qui sont un peu moins fâchés contre moi. Même content, limite. Parce que j'ai poutré des Athéniens, non? Personne? Je vous en prie. Enfin, ils sont pas encore il tout à fait déjà morts. Tard, et... Nickel. On va être copains, tu vas voir. Ah, pas encore. L'Égypte. Si vous voulez parler, faites-le maintenant. Faites une immigration ? Non ? Accord commercial ? Non plus. Dommage. Et Sparte ? J'écouterai. Je ne saurais dire. Évidemment, Sparte était très ami avec Athènes. Hein. Bon, je vais vite faire garder s'il ne reste pas des Athéniens, justement, si il en reste là. Et je parie qu'ils voudront pas la paix. La patience n'est pas notre. D'accord, tu veux pas la paix. Bon bah tant pis pour toi, hein, je t'avais pas venu. Prochain tour, en plus tu seras mort. C'est nickel. Et ici, ils se font des troupes en attendant. Ah, et il me faut un peu plus de fric. J'avais oublié cet élément capital dans l'équation.
Bien. Donc on a été quand même vachement loin. Ouh, mauvais ça. J'ai que de la merde, ils ont que de la... Ouais, non, je suis mort de toute façon. Dans tous les cas, je suis mort, alors autant... pas laisser trop de troupes, quoi. Et du coup, je vais encore devoir ramener mon autre armée pour pouvoir aller reprendre Larissa. Enfin, en même temps, Larissa, ils peuvent pas avoir grand-chose. Ils ont plus trop d'armées. Oh, Sparte s'étend. Mauvais pour moi ça. Et je peux pas attaquer Sparte maintenant parce que ça ne rentre pas dans mes objectifs directs. Colonie perdue, recherche terminée. Colonie contrée, voilà. Ou Simon Mène, lui, il est con ou quoi? Donc, voilà, je vais aller là-dessus. Ici, évidemment, ils sont pas contents, ça m'étonne pas. Plutôt me faire un truc avec de l'ordre public ici, parce qu'il y aura quand même une armée assez badass, théoriquement. Et donc je ferais peut-être mieux d'aller attaquer tout de suite et après de revenir. Voilà, ils sont morts, j'ai donc repris la colonie. Ils ont pas eu le temps de changer quelque chose? Ah si, ça ils ont changé, merde, fait chier. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je préfère ne pas laisser ça aux mains des... Ouf! Je vais quand même mettre un petit général qui ne coûte rien du tout. Ouais, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Et voilà, donc le dernier petit soldat de cette armée. Ici, ils m'ont fait un petit blocus, mais ils sont cons. Ah, évidemment, tu te replies, hein, espèce de tafiole. Et voilà comment on en finit avec une armée ennemie. Et il n'y a donc normalement plus d'Athéniens. S'il y a encore des Athéniens, c'est qu'ils ont une autre armée qui combat. Et s'ils ont une autre armée quelque part, ça signifie avoir très très mal pour moi. Donc eux, ils vont bien gentiment retourner là-bas. Le prochain truc que je prends ici, c'est ça. Et il me faudra donc un peu de temple après. C'est clairement pas un truc que j'appelle avec de la culture et tout le bazar hein, ici, ça sera plus focalisé sur l'armée, c'est mon centre de l'armée en même temps. C'est fait pour. Donc voilà, nous allons bientôt arrêter l'épisode ici. Prochain combat, je les ferai contre qui? J'irai donc à poutrer Syracuse et j'essaierai à tout prix de faire un accord commercial et un pacte de non-agression avec l'Egypte, ce qui me fera remonter l'amicalerie. Non, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin, je serai plus ami avec les autres, quoi. C'est ça que je voulais dire. Et si je suis plus ami avec les autres, ça me permettra de faire des accords commerciaux. Séisme. Oh non. Encore là en plus.
Putain de merde. Ça coûte super cher en plus. Ça par contre c'est obligatoire, je pouvais pas... Oh non... Est-ce que j'aurais pas des mercenaires dans une... Non, j'en ai pas. Fait chier. J'ai des armées de trop. Ouais, elle me bouffe la blinde en plus mon armée. Il me faut donc des accords commerciaux et vite. Je vous salue et vous accorde mon attention pendant les... Quoi, j'étais en guerre contre eux? C'est une blague. Non, je ne veux pas la guerre contre eux. Putain de merde. Arrêtez par quoi? Attaque? Attends. Et voilà, Sparte est à nous. Ils l'auront vu. Donc on fait, j'avais pas trop le choix. Il fallait que je me batte. Je voulais pas entrer en guerre contre eux, mais bon, ils m'ont pas laissé le choix. Ils l'auront voulu. Maintenant, est-ce qu'ils veulent bien la paix maintenant? Hein? Non, plus que deux villes. Je vous en prie. Il se fait déjà tard et il y a tant à faire. Si vous savez quoi dire, faites donc. Ils veulent pas. Donc ils veulent vraiment pas la paix. Bah allez vous faire voir, voilà. Tout ce que j'ai à dire. Il me faut absolument des alliés quelque part. Oh putain. Non. Oh, salutations. En plus le pont, j'aime bien moi cette faction là. C'est le Cid, ils peuvent être amis avec moi. Vous avez toute mon attention. Soyez le bienvenu, émissaire, si vous venez en paix. Tremblez si vos paroles... Ils veulent même pas. D'accord. Je suis honoré de recevoir cette ambassade. Ouais, évidemment. Je suis ennemi contre tout le monde, moi. C'est incroyable. Vraiment mal parti, mais vraiment. Je vous salue au nom de mon maître, crainte de tous. Parlez avec honnêteté et je... Il me faut des accords commerciaux. Il m'en faut, il m'en faut, il m'en faut. Je suis honoré de recevoir cette ambassade. Punaise. Soyez le bienvenu. Et puis Hermès. Impossible d'avoir des packs de non-agression ou des trucs dans le genre. Hein. C'est incroyable ça. Bon bah, je vais envahir un peu partout alors. J'ai pas vraiment le choix. Hein. Alors, cette armée là. Ok, elle est bonne. Prochain tour, j'aurai toujours pas un truc ici. Bon. Bah, je vais aller attaquer ça là-bas, hein. J'ai pas le choix. Donc, je vais essayer de battre Sparte au plus vite. Et une fois que j'aurai battu les Spartiates, il me reste encore une... Enfin, il leur reste encore une petite armée à Athènes. Et le pont était avec eux aussi. Leur allié militaire, donc c'est pas impossible que vous avez toute mon attention. Parlez, puisse quand même arriver bien, à car quelque une chose, mauvaise hein. Diplomatie est toujours ennuyeuse. Ah non, le pont est même vraiment pas. Une fois que j'aurai battu Sparte, Athènes va sûrement mourir. Hein. Donc ça va aller. La Macédoine, est-ce que je vous salue? J'ai un pack de non-agression avec. Si je pouvais avoir un accord commercial avec eux, ça serait vraiment tout bénef. Ça serait nickel.
Évidemment, ils vont essayer de me prendre la rissard. Je m'y attendais un peu. Donc, mon armée qui est maintenant à Sparte va devoir intervenir. Ça va m'énerver. Parce que Larissa, ils ont vraiment rien. Rien du tout. Le gars, en fait, il est là rien que pour crever. Presque ça. Il faut absolument que je reprenne Apollonia parce que du coup, ils peuvent avoir des bateaux. Mauvais présage. D'accord. C'est quoi le problème? Un ruspice de confiance nous porte de nouvelles troublantes. Alors qu'il examinait les entrailles d'un sanglier, il découvrit que la bête n'avait pas de cœur. Les dieux sont mécontents. Mauvais présage. Je vais sacrifier 100 euros. Hein. On verra bien. J'ai pas envie d'avoir un gros problème avec les dieux en ce moment, c'est pas une bonne idée. Ici j'ai 8 de nourriture. Pas le moment d'avoir moins 4 tortures républicains, donc ça va rester comme ça, hein. J'ai pas le choix. Je vais devoir aller attaquer ce bazar-ci, mais avec l'armée dans cet état, je sais pas si c'est une bonne idée. On va bientôt avoir une rébellion si je fais pas quelque chose. Et ici pareil. Je vais laisser ça comme ça, hein. On verra bien. Alors ici... Ouais bah je suis désolé hein, je peux pas faire autrement là. Voilà, comme ça je suis en pole position pour attaquer ça. Ensuite je vais me faire ce truc là. Et là derrière ils sont quoi? Que dalle. Bon. Eh ben ça se passe assez mal. En tout cas moi je le prends comme ça. Oh merde. Prochain tour je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Ah il m'attaque. Bah, je vais arrêter la vidéo là, hein. De toute façon j'ai pas le choix, il est un peu tard. Donc au revoir à toutes, à tous et à plus pour d'autres vidéos. Alors la vidéo suivante on va réenchaîner sur un combat directement, donc ce combat-ci. Et voilà, au revoir à toutes, à tous et à plus pour d'autres vidéos.